Hello mes chéris, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Si Bien-être, bienvenue sur notre canal de santé, de bien-être et de sujets tabous. Je m'appelle Estelle, pour les nouveaux, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui mes chéris, nous allons parler des feuilles d'olivier. Normalement, les gens connaissent plus le fruit d'olive et l'huile d'olive. Sachez que les feuilles d'olivier ont des vertus thérapeutiques aussi. Lorsque vous prenez les feuilles d'olivier, vous pouvez faire des thés, vous pouvez faire des préparations. C'est une plante dont les feuilles servent à soigner l'hypertension, le diabète et plusieurs maladies dont vous ne pouvez même pas imaginer. Nous n'allons pas énumérer tout dans l'introduction, mes chéris. Regardez plutôt les bienfaits des feuilles d'olivier dans cette vidéo. Oui, mes chéris, nous venons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler des bienfaits des feuilles d'olivier, des bienfaits des olives et également des bienfaits de l'huile d'olive. Cette plante-là, vraiment, tout ce qui s'y trouve a des vertus. Dans les pays méditerranéens, plusieurs personnes consomment beaucoup les olives. Les Méditerranéens consomment beaucoup les olives à cause de ses vertus. L'olivier est un arbre pérenne qui appartient à la famille des Solanacées et qui, à l'heure actuelle, est cultivé dans différentes régions du climat sec de la région méditerranéenne. Dans ce secteur-là, plusieurs personnes consomment de l'huile d'olive. Plusieurs consomment des feuilles d'olivier pour perdre des kilos. Les feuilles d'olivier, les parties les plus utilisées sont ses feuilles. C'est le fruit en lui-même et l'huile d'olive. Les propriétés amincissantes de la feuille d'olivier permettent à plusieurs personnes de faire des infusions pour la perte de poids. Les vertus antioxydantes, leur utilité en matière de prévention des cancers. Les bienfaits en termes de construction osseuse, les propriétés antibactériennes et ils sont aussi laxatifs. Et lorsque vous avez des problèmes de constipation, oui, mais parmi les propriétés des feuilles d'olivier, on en trouve qui nous aident à perdre du poids naturellement. Comment préparer le thé amincissant aux feuilles d'olivier d'une manière saine? Nous allons vous expliquer ça tout de suite même. Pour la préparation de votre recette maison, l'idéal est bien sûr de disposer des feuilles fraîches, mais il existe dans le commerce des boîtes ou sachets de thé déjà prêts. Sachez aussi que pour les personnes qui vont suivre une intervention médicale, ils peuvent consommer le thé d'olivier. Et surtout, n'oubliez pas aussi que ça s'accompagne avec des exercices physiques bien faits. Et pour ces personnes qui ont des problèmes au niveau des intestins, ils peuvent en consommer régulièrement. Comme ingrédients, nous avons 50 g de feuilles d'olivier fraîches. Nous avons également 1 litre d'eau bouillante, des feuilles d'olivier bien séchées. Vous allez bouillir l'eau à 100 degrés. Ensuite, vous allez renverser de l'eau sur les feuilles mises dans la tasse. Et lorsqu'il va changer la couleur, vous saurez qu'ils sont prêts. D'autres peuvent y rajouter du citron. Sachez également qu'on peut y rajouter du miel afin d'avoir des vertus encore plus efficaces. La feuille d'olivier est idéale pour maigrir car elle empêche la formation d'amas de mauvais cholestérol. Les bienfaits des feuilles d'olivier dans ce type de recette fraîche, au-delà de vos préférences, sachez que la feuille d'olivier est encore bien plus puissante que le thé connu comme thé vert dans la lutte contre l'obésité. De plus, elle possède de nombreux autres bienfaits non négligeables pour votre santé, notamment en prévention du diabète, en prévention de la tension. Pour ces femmes qui ont des problèmes de rétention d'eau, cela va vous aider à réduire la rétention d'eau et à expulser les impuretés et les graisses stockées dans l'organisme par l'urine. Ils peuvent également prévenir les infections urinaires, telles que la cystite, qui provoque le gonflement de la zone abdominale. Ils contiennent également des propriétés laxatives. C'est un remède naturel idéal pour des personnes qui souffrent de constipation, mes chéris. Cette propriété aidera à perdre du poids puisqu'elle vous aidera à expulser les résidus accumulés dans votre intestin.
Sachez que vous pouvez consommer ce thé-là tous les matins à jeûne avant de sortir. Par contre, elle a des propriétés aussi hypoglycémiques. Enfin, des propriétés stimulantes qui augmentent naturellement votre niveau d'énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes chéris. L'olivier, l'huile d'olive, l'olivier généralement, c'est une plante d'origine méditerranéenne. Vous allez vous rendre compte que les pays d'origine méditerranéenne utilisent beaucoup les olives. Ils en consomment beaucoup. Ils en mettent dans plusieurs préparations, dans du couscous, dans des sauces, parce que évidemment, il a plusieurs vertus. Vous avez vu qu'on peut utiliser les feuilles d'olivier pour faire du thé, qu'on peut consommer ce thé-là pour réduire l'hypertension, qu'on peut également consommer ce thé-là à jeûne, pour perdre des kilos et pour la rétention d'eau, mes chéris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la reproduire. Vous pouvez consommer ce thé-là une fois par semaine, de temps à autre. Il n'apportera que des bienfaits pour votre santé. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout d'activer les clochettes de notification. Passez une agréable journée, mes chéris. Bisous, bisous.